Nous avons la plus grande montagne que nous avons, c'est notre ignorance. Et l'ignorance marche de pair avec l'oubli. Dans ce verset que nous venons de lire, le Seigneur dit que les cieux sont à lui. Mais la terre, c'est pour nous. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Les diables ne peuvent rien faire sur cette terre sans passer par les humains. Dieu aussi ne peut rien faire sans passer par les humains. Parce que le décret est là. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux hommes. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Pendant que tu nous écoutes, que ton cœur soit en prière. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as été à l'autel. Depuis le matin, c'est maintenant l'heure de ta visitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, dans sa bonté, malgré la chute de l'homme, il avait pourvu d'une voie par laquelle il pouvait venir et nous sauver. Les diables ne pouvaient pas détruire le monde sans passer par les humains. Cela explique la chute d'Adam et Ève. Mais Dieu, depuis le début, il a pourvu d'une voie de sortie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre nous a appris qu'un hôtel, c'est un lieu de transaction. Amen. Je réponds. Yes. Amen. C'est un lieu de transaction entre l'humain et le divin. Dieu ne descend que là où il y a un hôtel. Donc, les diables qui imitent Dieu travaillent aussi là où il y a des hôtels. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Les hôtels permettent au divin d'entrer dans le monde physique. D'entrer dans le monde des humains. Quand l'homme a péché, la voie par laquelle Dieu devait nous sauver, c'était à travers les hôtels. Nous voyons l'hôtel qu'Abel avait bâti. Avec un cœur pur. Avec de bonnes motivations. Pendant qu'Abel ramassait seulement des fruits qui étaient tombés là, par-ci, par-là, il prend, il emmène pour offrir à Dieu. Caïn. Il ramasse des fruits qui étaient tombés par terre, il emmène à Dieu. Abel, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il choisit un agneau pur. Abel, il le sacrifia pour offrir à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la suite, nous voyons Dieu agréer l'offrande d'Abel et de haïr l'offrande de Caïn. Il y a celui qui est à tes côtés. Les bonnes motivations. Je ne sais pas en lingala comment on dit sa motivation. Les bonnes motivation. La Bible dit Dieu donna
un regard favorable à l'offrande de Abel. Dans la suite, les hommes se sont empêtrés davantage dans le mal. Dieu décida de détruire le monde. Il dit à Noé de construire une arche et d'entrer avec sa famille. Après 40 jours, il y a eu déluge, les gens sont morts. En sortant de l'arche, la Bible dit Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Le mot hôtel apparaît clairement pour la première fois dans la Bible, dans Genèse 8. Na Genèse 8, ne bazo talisa malamu liloba to babengi libonza to etumbelo. Nzamba pambola yo. Amen. Nzamba pambola yo. Que Dieu vous bénisse. Dans la suite, na oyelandi, Dieu établit à travers la loi mosaïque, na nzela ya mibeko ya Mose, le sacerdoce lévitique. Zambe aekocha kibonganga yaba lewi. Et dans les sacerdoces lévitiques, il y avait des sacrificateurs qui avaient comme mission d'offrir des offrandes à Dieu. C'est eux qui bâtissaient l'autel et qui offraient des offrandes à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout cela préfiguré, symboliser l'autel suprême de la croix. Et Jésus Christ Messie. Amen, amen. Amen. Allons dans Genèse chapitre 22. Genèse 22. Verset 22. Nous commençons à partir du verset 1. Je vais lire le verset 1 à 2. 6 et puis 9 à 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Abraham. Et il répondit: Abraham, mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 6. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9 à 14. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit: Abraham. 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 Et il répondit: mais voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste
à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons faire la connexion entre Abraham et la croix. Alléluia. Amen. Dieu cherchait un homme par lequel il allait établir une alliance. Une alliance perpétuelle. Abraham n'était pas l'homme le plus parfait du monde. Il était un homme comme toi et moi. Mais Dieu le m'a. Il trouva grâce aux yeux de Dieu. Abraham azaki ngolu na musu na nzambe. Que le Dieu des mères t'accorde sa grâce. Si que te nzambe ya mère apesa yo ngolu na ye. Je disais que le Dieu des mères t'accorde sa grâce. Je disais que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Na banda yo mona ngolu na musu na nzambe. Que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Si que te yo mona ngolu na musu na nzambe. Jésus Christ. Dieu le m'a. Et Dieu décida de faire alliance avec lui. Il lui demanda ce qu'il avait le plus cher. Dans Genèse 22:1, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes le plus. Rappelez-vous, il avait deux enfants. Il avait Ishmael et Isaac. Mais Dieu est précis. Il lui demande de lui donner ce qu'il avait le plus cher. Ce qu'il aimait le plus. Cela nous rappelle Jésus. Cela nous rappelle Jésus. Le fils unique de Dieu. Celui qui est né sans péché, qui a grandi sans péché, qui a vécu sans péché, alléluia, qui est mort sans péché. Amen. 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 Isaac est le type de Jésus Christ. Isaac Aza et Lilingi ya Jésus Christ. Amen. Dieu demande à Abraham de lui donner son fils, Zambé son unique. Abraham a pesé moi na ya likinda. Évidemment, quand Dieu nous appelle, tant nous amba ben akabiso, il peut nous dire la fin. Zambé akoyo koloba na biso suka ya likambo. Mais il ne nous dit pas par quel chemin nous allons passer. Kasi akoloba na biso te banzela nini otokoleka poto koma na sika wana. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Que te nzamba pambola bino. Alléluia. Peut-être en 1997, tu ne savais pas que tu seras ici à Mera. Et quoi ça, en 1997, au Yéba qui était l'élo n'a dit pas que c'est encore plus loin. En 2006, tu ne savais pas que tu seras ici. Et cause la peine à 2006, Oyebaki te et l'élo yokozala à Onamé. Mais Dieu connaît la fin. Alléluia. Kasi Zabo Yébisuka, Ayébipe Bandeli. D'où ta venue à Mera n'est pas un hasard. Boya Nayo à Onamé Reza Poissate. Venir au jeûne, au culte de jeûne d'aujourd'hui n'est pas un hasard. Boya Namayanga Nyako Kile Ako Bondela Awa Eza Poissato. Il y a quelque chose qui a été prévu pour toi. Eza Neloko Moko Onkola Bongisaki Pona. Je disais, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Nalobet Eza Neloko Moko Onkola Bongisaki Pona. Que le monde le veuille ou pas, tu vas l'avoir aujourd'hui. Mokile Elinga Lingate Yoko Seloko Wana. Que le monde le veuille ou pas, tu vas le toucher aujourd'hui. Mokile Elinga Lingate Oko Simbeloko. Que les démons le veuillent ou pas, tu vas le toucher aujourd'hui. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. La Bible dit, Bible lobby. Abraham prit le bois. Abraham a kamata ki bakoni. Il le mit sur son fils. A kamati bakoni a tiango na mapeka mwana na ye. Or, quand vous lisez dans les Écritures, ten oza kotanga na makomi, seul le sacrificateur avait le droit de prendre le bois et mettre dans l'autel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de faire la connexion entre
Jésus et Isaac. Isaac. Entre Dieu le Père et Abraham. Si Abraham, n'avait pas donné son unique fils, Dieu aussi n'allait pas donner son unique fils. Si Abraham, avait refusé à Dieu son unique fils, Dieu aussi allait refuser à Abraham et à ses descendants son unique fils. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Au moment où Abraham donnait son unique fils, il savait pas qu'il allait, il était en train d'ouvrir un portail pour permettre Dieu de prendre la chair humaine et descendre sur terre afin de vivre avec les humains, pour comprendre les humains, pour compatir aux faiblesses des humains, afin de les sauver correctement. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une différence entre la pitié et la compassion. Oui. Alléluia. Il y a une différence entre la pitié et la compassion. La compassion, on se met à la place d'autrui. Il y a celui qui est à tes côtés. La compassion, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. La pitié, je donne, il me dérange. Mais la compassion, c'est le cœur. Kasi mawaya kati ezane motema. Ah, c'est ça le terme. Mawaya yakati. Alléluia. Il prit les bois, il mit sur son fils. Abraham kamati bakoni atiango na nzota mwana. Et l'amenant à l'autel. Pe amemie ne tumbelo. Par cet acte prophétique, na musala oya sala ki wona ya lisakoli. Les sacrifices cessaient d'être sacrifices. Mbenga ezotika kozala mbeka. Les sacrifices devenaient sacrificateurs. Ça devenait logique et clair qu'Isaac n'allait pas mourir. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Verset 17 à 19. Verset 17 à 19. Que à travers cet acte que Abraham posa, rappelez-vous, aux yeux de Dieu, c'est plus l'intention du cœur. Donc cet acte qu'Abraham avait posé, il avait déjà tué son bébé. Amen. Alléluia. Jésus dit, Moïse vous a dit, celui qui se fâche contre son prochain, celui qui hait son prochain, mérite d'être haï. Celui qui tue son prochain mérite d'être tué. Mais moi je vous dis, celui qui est son prochain l'a déjà tué dans son cœur. Amen, amen. Amen. Vous comprenez qu'aux yeux de Dieu, c'est plus le cœur. Les intentions du cœur. Les motivations du cœur. Qui compte le plus. Alléluia. Amen. Quand Abraham
pris le bois et le met sur son fils. Donc Abraham a kamati bakoni a tiango likolo ya mwana na ye. Le fils cesse d'être sacrifice. Mwana na tango wana atiki kosala mbeka. Il devient sacrificateur. Tango wana mwana ye ye pa komi mutumi mbeka. Tout ça devient ça devenait logique qu'il pouvait pas être tué. Wana mato zo mona ete ye ekokai ki te kosala mais ete ba boma ye. Et dans Hébreux chapitre 11 verset 17 à 19. Hébreux 11 17 à 19. La Bible dit que Abraham récupéra son fils dans une forme de résurrection. Bibete Abraham a zongela ki kosala mwana na ye na lo lenge ya lise kwa. Parce qu'au niveau de son cœur, il avait déjà tué. Pote na motema na ye esi déjà à Bomaki Isaac. Et quand vous rentrez maintenant avec Jésus, vous comprenez que le plan était parfait. Après avoir été livré à la mort, c'était logique qu'il ressuscite. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est ce qui rend. C'est ce qui rend. Yango ezo sala. L'autel de la croix qu'elle soit suprême. Ezala likolo ya babitumbelo nyonso ya mokili. Dans tous les autres autels. Likolo ya babitumbelo nyonso ya mokili. Que l'ennemi construit. Babitumbelo nyonso o monguna atonga toko ekotonga. On y met des choses mortes. Yebete batiaka ba biloko ekufa. Alléluia. Zamba pambola bino. Iyo. On y met des choses mortes. Mais nous avons un hôtel puissant et vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La croix est l'hôtel suprême. Et Koulousou, Yango Ezali et Tumbelo Ezali Konanyonso. Pouette Libonza. Qui a été placé dessus. Oyo et Chamaki de Kole et Tumbelo. Pas resté mort. Libonzoana et Tikalaga Yoko Fate. Amen. Ressuscité. Libonzoana et c'est quoi. Elle vit pour des siècles de siècles. Pe Ezali Kopika Tango Nyonso. Elle n'est pas seulement assis à la droite de Dieu le Père en train de contempler le ciel. Afin de kakate na loboko ya tata po na kosepela na kembo ya likolo. Mais la Bible dit qu'il intercède pour nous. La Bible dit azape ko bonde la po na biso. Il intercède pour nous. Azali ko bonde la po na biso. Au-delà de tes prières, sache que Jésus Alléluia. Intercède pour toi. Au-delà de tes prières, sache que Jésus intercède pour toi. La bonne nouvelle que je t'emmène, mon frère. Olongi. Alléluia. Ah, tu n'as pas compris. N'a tourné na nangambo. Na ye non kotoyo. Sango malam na memelio mon frère, ma soeur. Alléluia. Oza molongi. Alléluia. Ah. Oh, koto ba sosoli. Olobi bien ba sosoli. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Tobete les Christo maboko. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La croix de Jésus-Christ. Et koulous ya Yesu Christ. C'est l'autel suprême. Ezali tumbelo ezali kolo ya nyonso. Étant le lieu des transactions. Pe et tumbelo loko le sika ya boko tu pe bo bimisami. Toutes les mauvaises choses. Babiloko ya mabe nyonso. Qui devaient arriver. Oui, sengela ki ekomela yo. Ont été transférées sur Jésus. Yebete babiloko ya nyonso ekenda koko ya likolo na Yesu Christ. Oh, gloire à Jésus. Dieu à celui qui est à tes côtés, tu souffres pour rien. Alléluia. Toutes les choses, toutes les mauvaises choses que tu connais dans ta vie ont été transférées par Jésus. Ont été transférées sur Jésus. Du coup, il n'y a aucune raison logique pour que tu continues de vivre ces choses-là. L'homme de Dieu nous a dit prophétiquement. Nous entrons dans notre semestre d'accomplissement et de victoire. Tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Laisse-moi te dire un secret. Est-ce que vous savez que c'est nous qui déterminons les quand, les où et les comment nous recevrons nos réponses? Est-ce que vous avez besoin de biso de total isaka, de nini, tango nini, pour te kozwa babiyano nankolo?
Parce que Jésus dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Il ne dit pas croyez que papa Dieu va vous donner. Non, non, il dit vous. Yes, albi tete bonzima et nzama ko pesa binote. Vous, albi tete binonde bonzima. Croyez que vous l'avez. Yes, albi tete bonzima et bosu oyo bosili ko sena. Si tu penses que tu auras ta guérison dans 10 ans. Soki oso banze te lobi ko na oko songo na sima bambula zomi. Yebete na bambula zomi oko songo. Mais si tu crois aujourd'hui, now, today. So bonzima et lelo sitawa et na poso oyo. Cette semaine. Et na bekeke oyo. Bien-aimé, tu vas toucher ton miracle. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Vous entendez souvent les gens dire ça, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Nous pouvons résumer l'œuvre de la croix en une seule phrase. Déclare-le après moi. À la croix. À la croix. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Avait pris. Toutes les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses. Qui devaient venir sur moi. Qui devaient venir sur moi. Sur ma famille. Sur ma famille. Sur ma progéniture. Sur ma progéniture. Sur ma communauté. Sur ma communauté. Sur ma nation. Sur ma nation. Amen. Amen. Oui. Alléluia. C'est ça l'œuvre. Gloire à Jésus. Yangonde zali musala ekulus. C'est ça l'œuvre de la croix. Yangonde zali musala ekulus. Mais non, notre problème c'est premièrement de connaître ces choses. Likamunabiso ya yambizana koyeba ba makambo yo. Et deuxièmement, connaître comment nous l'approprier. Likamunabiso esoto parce que ninge ni truc au kamatango comme yabiso. Première chose, tu dois connaître ce que Jésus a fait pour toi. Likamunen libosesa oyeba o Yesu sala pour nous ekulus. Deuxièmement, tu dois savoir comment les récupérer. Yami balé sengel oyeba ninge ndo koyiko kamatango zo na yo. Comment les toucher. Oyeba ninge ndo koyiko simba yango. Comment les faire quitter le monde spirituel pour que ça vienne dans le monde. Oyeba ninge ni ya kolongola ngona mokili ya molimo pe eya na mokili ya bonzo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est ça que nous allons voir. Yango no tokomona yango. Alléluia. Mokola Jésus. J'ai fini ma prédication. Asi mate yananga. Levons-nous, nous voulons. Totelemi likolo, tobeteli yo sima boko pe milolo. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus, merci, gloire Seigneur. À Jésus, ma tondo mingi nkolo. Alléluia. Oh, grâce à Dieu. Pesa nkolo matondo. Rends grâce à Dieu. Pesa nzambe matondo. Parce qu'à la croix. Il avait pris toutes les mauvaises choses qui devaient venir sur toi, qui devaient venir sur ta famille, qui devaient venir sur ta projection, qui devaient venir sur tes affaires. Il a pris tout ça. Yesu akamata yango. Rends grâce. Pesa nzambe matondo pour la musala wana. Pesa nkolo matondo. Pesa nkolo matondo. Pesa ye matondo. Pesa ye matondo. Pesa ye matondo. Pona musala ekulusu. Pona musala ekulusu. Anzimi bapasi ekitela ye. Anzimi soni we sengela ki koela biso ya nzimi yango. Yanzimi bilakeli mabesi na ki koela biso ya nzimi ekwelela ye. Anzimi nyonso wana. Hey Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh matondo mingi nkolo. Matondo mingi nkolo. Merci. Matondo mingi nkolo. Merci Jésus. Eh! Ekulusu. Eh! Nyonso. Nyonso ya mabe. Wese kelaki elanga. Era bana nanga ikota nanga. Bande konanga. Yes. Eklesia nanga ikuka nanga. Merci pour l'air de la croix. Merci pour l'air de la croix. Oh Jésus Christ. Yesu. Nous te rendons des actions de merci grâce. Yesu. Nous te rendons des actions de merci grâce. Yesu. Tu as pris notre place. Yesu. Oh Père éternel, reçois la gloire, reçois l'honneur. Yeah. Merci pour la messe. Merci pour la messe. Yemba na ba yembi. Eli 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 na ba sabata.
Commence à te déconnecter de tout hôtel maléfique de la terre, de la forêt, des eaux, du tombeau, de séjour de mort, du premier ciel, deuxième ciel. Déconnecte-toi. Déconnecte ta progéniture. Déconnecte ton étoile. Déconnecte-toi. 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 Je connais mes frères, 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 je connais mes
Qu'il est mieux. Et tes âmes à l'âme. Quand je suis à la maison. Et tes temps à Zanandaku. D'aller prier à intendance. N'a que ne kobonde na Zamba. Mangengenge. Tona mangengenge. Tona intendance. Tona luzizila. Wande tu zai kobanza kala. Et tes âmes à l'âme au Kenbisika wana. Ces lieux-là sont devenus des hôtels privés des gens. Kasi babisika wana. Et comment babitumbelo ya batu bango moko. On tue des gens là-bas. Bazako boma batu. Na bangomba na babisika na lokola bambeka. Alléluia. Je sais que parmi nous il y a des gens qui ont été. Na ibi te na kat na biso zape na batu si déjà ba mata luzuzi la intana mangengenge to bangomba. Les temps de l'ignorance sont passés. Tango ya bozang boyebi si eleki. Amen. Les temps de l'ignorance. Na manda ko bete tango ya bozang boyebi esi eleki. L'hôtel, c'est l'hôtel communautaire ici. Et tout me le, et ça est tout me lui à l'isanga oyo. C'est ta maison. Et Zalinda Kunayo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'hôtel, c'est toi-même. Et tout me le, et ça yo moko. Élève ta main droite. Tombola le boko na au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends le sang de Jésus-Christ. Je prends le sang de Jésus-Christ. Je viens effacer. Je viens effacer mes empreintes. Les empreintes. Les empreintes de ma famille. Les empreintes de ma famille. Les empreintes de ma progéniture. Les empreintes de ma progéniture. De tout hôtel maléfique. De tout hôtel maléfique. Dans lequel j'ai été adoré. Dans lequel j'ai été adoré. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Que nos empreintes. Que nos empreintes. Nos traces. Nos traces. Soient effacées. Soient effacées. Soient effacées. Soient effacées. Soient effacées. Soient effacées. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Pendant que l'ongo la babille l'embo na yon yosto. L'ongo la babille tout me l'a mabé wana. Le sang de Jésus. L'ongo la yon na makila na yosto. L'ongo la babille l'embo yosto yabo mo ina yon. Le sang de Jésus. Oui, dit que l'icolo yabo tel yamabé. L'acte don. Car il est écrit. Et comment l'acte don. Moukanda oyo. Les ordonnances. Pèse à la qui. Condamné. Au cas de la buse tout. Jésus l'a effacé. Yes, a passé l'herbe. Yes, a l'ombo l'herbe. L'ombo l'herbe. J'efface. Nazani Kolombola. J'efface. Nazan l'ombola. Les empreintes. Babilembo. Les empreintes de ma famille. Babilembo. Yali Botanaka. Les empreintes de ma progéniture. Babilembo. Babokibo Kitalinaka. L'hôtel de ma maléfique. Nicolas Babitou. J'ai été adoré. Oh, ton coup m'amela. Le sang de l'agneau. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. David dit, Éternel ne tarde pas. Éternel ne tarde pas. David Albi Yahweh Korume Late. Viens à mon secours. Yaka na lisungi nanga. Viens à mon secours. Yaka ko pesanga lisungi. Bien aimé, parle à ton Dieu. Muningami, loba na nzambe na yo. Si tu manques à dire, dis des mystères. Soki ozangi ya koloba, loba te na munoko ya sika. Si tu as déjà beaucoup dit, dis des mystères. Soki si déjà olobo senga mingi, loba suko ya te na munoko ya sika. C'est la prière parfaite que tu peux offrir. Etali yo samwe kokindo ko ko bonde na nzambe. Parle à Dieu maintenant. Loba na nzambe siko yo loba na ye. Shandala Oh, my God, I'm